Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex, on part faire l'exploration de la maison de la casse. Voilà, c'est parti. Là, pas mal de bordel ici. Des documents de la Direction Générale des Finances Publiques. À la première vue, c'était la cuisine. Oula. Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, l'étage, on peut pas y aller, il y a trop de bordel dans l'escalier. Là, une petite dépendance, le jardin où on est rentré. Alors au passage, on fait le premier test du stabilisateur pour les vidéos. On a les ordinateurs, un ordinateur, mais c'est pas assez long. Donc, vous voyez pas au sol, mais il y a du bordel partout. C'est la folie. Un jeu de PSP. J'étais là sur PSP. Beaucoup de poussière, donc excusez-moi pour la toux. L'ordinateur. Là, on a la cave, pareil, on n'a pas accès avec les meubles. La petite sorcière qui porte chance dans certaines régions de France, par exemple en Alsace. Nalza, je sais que avoir une petite sorcière comme ça accrochée, ça porte bonheur. Après, s'il y a des Alsaciens qui regardent la vidéo et que je me trompe dans mes explications, enfin dans ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est compliqué d'accéder aux pièces. Comment on peut avoir autant de trucs? Là, ça devait être la chambre. Waouh! Ouais, c'est un carnage! Ouais, donc ouais, il y a vraiment trop de trucs, on peut pas accéder partout. Ouais, c'est. On va essayer de faire le jardin. On met une porte. Le jardin, ça donne quoi? Ah! Du kilo. Ah, il y a des. Ah ouais, il y a du véhicule. Donc on a une véhicule ici. Il y a un vieux camion Volvo, je crois. Oh, c'est ça, c'est un camion. C'est ça. Ah ouais, il y a pas mal de véhicules derrière. Des dépendances. Toujours intéressant de faire l'extérieur d'un spot. Après, on va checker un peu les véhicules, voir ce qu'il avait dans sa propriété. Un express, voilà, on peut pas accéder. Hein. Il y avait beaucoup trop de trucs dans le jardin, une vieille camionnette. Je crois que c'est du Renault aussi, ça. Ça devait être du Renault aussi. C'est ça. Ensuite, pour une camionnette. Un plateau. C'est pas une camionnette, c'est un plateau. Un vieux plateau d'ailleurs. Alors, c'est assez ancien. On se le scooter. Oh, oh, alors pour les gens qui aiment les tracteurs,
Ouais. Il y a une petite remorque ici. Ça, c'est un camion Renault. Des pneus là-bas. Et on a un magnifique tracteur ici. Bon, il est vieux. Il commence à rouiller, mais. Ça reste une belle bête. Donc là, je n'avais pas fait attention avant, mais comme tout est de mousse, on a plein de pièces de voiture rouillées. Donc tout en dessous, hein, enfin tout ce qui est en dessous de la mousse, c'est des pièces de voiture rouillées. Ici, on a encore une dépendance. Donc ça doit être son atelier. Ah, ici, on peut accéder un petit peu, je pense. Mais. C'est assez galère. Ouais, il y a encore des pièces de voiture. C'est plein de pièces de voiture. Des vieilles voitures, des vieux camions. Mais je suis pas mécontent de m'être arrêté sur ce spot et de venir le faire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que l'exploration vous plaira. Donc c'était pas une très grosse explo. On est quand même tombé sur des belles trouvailles, des véhicules à l'arrière, pas mal de pièces auto. Bon, c'est quand même pas mal en bordel dedans. Mais bon, c'est des choses qui arrivent en urbex. Et on se débrouille toujours pour trouver un passage. Donc je compte sur vous pour le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et on se retrouve bientôt pour la suivante.